Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, sentimental. Allez, je partage les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui dans votre sentimental. On va voir tout ce que je peux partager. Alors, bien sûr, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Allez, je prends ce magnifique oracle. Alors, je tiens à vous remercier pour toute votre présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, 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 merci. Donc, je vais aller zoomer au niveau de la situation sentimentale d'une personne. Bien sûr, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal. On va aller voir la personne de votre cœur à gauche, tout ce que je peux partager lié à la personne de votre cœur. Au milieu, votre lien et vous à droite. Et on va voir tout ce que je peux partager. Ensuite, je partagerai. Donc là, c'est les messages cartes et après, je partage mon écrit, l'écrit du jour. Et on y va, sans tarder. J'espère que vous vous portez toutes et tous très très bien. Allez. Alors, la personne de votre cœur, elle peut avoir un petit garçon. Alors, j'ai une présence d'un petit garçon autour de la personne de votre cœur. Donc, ça peut être un petit garçon aux cheveux foncés. Mais si ça vous parle aussi aux cheveux clairs, c'est possible aussi. Là, c'est vraiment du général. Hein. Alors là, sur votre lien, tout se réchauffe en vous, entre vous, en vous. Tout se réchauffe à l'intérieur. La personne de votre cœur se sent bien. Il y a de l'amélioration, se sent de mieux en mieux, physiquement, psychologiquement, tout se réchauffe à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire que ça se réchauffe aussi dans ses domaines de vie, mais on se sent plus chaud hein, à l'intérieur de soi, voilà. Vous, c'est pareil. Sur votre lien, c'est très très solaire. Vous allez être dans des énergies, là, il y a un retour d'énergie festive, d'invitation. Vous pouvez recevoir des invitations de soit de cette personne, une invitation de cette personne. Soit, ça peut être des invitations professionnelles, ça peut être célébrer, fêter quelque chose au niveau du sein même du vote professionnel, au sein même de votre famille, au sein même voilà, de tous vos domaines de vie un petit peu en même temps. Il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose qui se réchauffe lié à une situation avec son enfant aussi. Il y a de l'amélioration aussi. Pour moi, dans sa famille, foyer, il y a quelque chose qui se réchauffe pour sa famille. Votre lien est extrêmement protégé, guidé. Cet été, je vois une invitation qui arrive à vous. Avant la fin de l'été, il y a une invitation qui arrive à vous. Alors, soit de la part de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi voilà, des invitations professionnelles. Ça peut énormément bouger dans votre professionnel. Actuellement, vous êtes enfermé, vous êtes dans l'enfermement. Mais c'est un enfermement positif. Cet enfermement, vous en avez besoin, vous êtes en train de vous réaliser vos rêves, réaliser vos projets, votre carrière, vous faire du bien, fêter, être dans des énergies de fête, de festivité, de joie, de positif. Il peut y avoir de la colère au sein même foyer, famille. Colère. Ou alors c'est la personne de votre cœur qui est en colère, qui s'est enfermée dans une colère. Peut-être intérieure, peut-être extérieure, qui a explosé. Ou alors c'est il y a de la colère. Alors ça peut être famille, belle famille, foyer. Il peut y avoir peut-être de la colère. On enferme peut-être la personne de votre cœur dans de la colère aussi. Au sein même de son foyer, de sa famille. Et il peut y avoir aussi un enfant aussi
enfermé dans tout cela, dans de la colère. C'est pour ça que je vois une amélioration de la situation au niveau de la famille. Qui est... Alors, famille, pas la... Est-ce que je peux voir une famille et une belle famille? La famille de la personne de votre cœur est protégée, elle est guidée. Son enfant aussi, lui aussi, d'accord? Pour moi, alors ça peut être belle famille, mais ça peut être aussi dans le professionnel, dans les amis. C'est peut-être ça. Il y a de la colère, en tout cas autour, il y a de la colère. Voilà. Cette personne est protégée aussi de ça, de toutes les colères. Et puis il peut y avoir une fin de colère. Sur le lien, vous allez pouvoir jouer une fin de colère. La colère va s'écarter, d'accord? Va s'arrêter. Il y a une solution sur la colère qui va se mettre en place. Il y a une solution. Ça va se stopper net. Si ça ne veut pas se stopper net, pour moi là, ça va se stopper net. D'accord? Donc vous êtes très protégés, guidés vers la naissance ensemble. D'un renouveau sentimental. Vous, vous pensez à la personne de votre cœur. Alors. Oui, j'ai la confirmation. L'enfant de cet homme est très protégé, très guidé. Et lui aussi, d'accord? Si c'est des amis, j'ai pas de protection sûre. Si c'est une belle famille, j'ai pas de protection non plus. Mais famille, famille, il y a une protection. Donc, avant la fin de l'été, il y a la naissance. La naissance d'un renouveau sentimental ensemble. Vous, vous pensez énormément à fêter, à célébrer quelque chose avec la personne de votre cœur. Vous pensez l'un à l'autre énormément. Vous en pouvez plus tellement que vous pensez à l'autre, l'un à l'autre. Mais on pense, c'est doux, hein. C'est doux, c'est beau, c'est voilà. Ici, je peux avoir une fin sur la situation de la personne de votre fin, fin des accidents, fin. Alors ça peut être accident, accident plus grave, fin de la colère aussi. Peut-être qu'il y a de la colère autour de cette personne et qui plonge cette personne dans des accidents plus ou moins graves, physiques, psychologiques. Voilà. Il y a eu des lenteurs et des retards sur la naissance de ce renouveau sentimental ensemble. Vous allez vous élever. Vous allez vous élever dans tous vos domaines de vie. Dans la fête, le positif. Vous allez célébrer. Il va y avoir beaucoup d'opportunités, de grandes portes professionnelles, financières qui vont s'ouvrir à vous. Tous vos rêves, etc. etc. C'est extrêmement protégé. Et je vois que autant l'un et l'autre, vous voulez vous élever de tous vos problèmes, peu importe quels qu'ils soient, de vous élever tous les problèmes. C'est des prières, des souhaits, des prières, des demandes que vous faites en duo, ensemble, pour vous élever de tout cela. Et pour moi, ça arrive. Il va y avoir la fin de la dépression sur cette situation. Qu'on peut essayer de faire sombrer une personne. Vous allez pouvoir, avec lenteur et retard, vous allez pouvoir vous déplacer soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Voilà, vous allez vous arranger sur les... en discuter pour vous arranger sur les déplacements. Et vous pouvez vivre à la campagne ou proche des arbres, etc., etc. Regardez, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre qui va vous apporter de la paix, de la sérénité. Il y a un retour à la paix, à la sérénité, autant à l'un qu'à l'autre, sur les situations, etc. Qui ne sont plus en paix ou en sérénité. Peut-être pour un enfant aussi. Mais tout se réchauffe, tout va s'améliorer. Pour un enfant, pour... Là, c'est un homme. Tout va s'améliorer, d'accord? Au niveau de la santé, du bien-être.
Et tout ce qui doit se stopper net va se stopper net. Hein. Il va y avoir un déménagement, une rencontre, et après pour moi vous allez parler d'un déménagement. Voilà. Soit vous pouvez tout de suite et vous le faites tout de suite, soit déjà d'en discuter, voir ce que vous souhaiteriez, comment déménager, ou faire quoi, mettre en place les choses, en discuter de vive voix, d'en discuter, savoir ce que vous voulez mettre en place, d'en discuter. De parler d'un déménagement va vous apporter de la force, du courage, de la paix, de la sérénité. Il y a beaucoup de joie, de gaieté. Dans la rencontre, la rencontre va vous apporter de la force, autant à l'un qu'à l'autre, du courage, de la paix, de la sérénité, de la joie, de la gaieté. Vous pouvez peut-être, voilà, si vous pouvez déménager. Sinon, il y aura des solutions qui seront trouvées pour les déménagements. Le ou les déménagements, solutions, solutions aussi peut-être financières. Et vous allez parler pour moi aussi d'un métier artistique. Et vous voyez, il y a petite ou grosse somme d'argent. Il y a des solutions. Vous ne serez pas sans manque de solutions financières pour moi. Hein. D'accord? Mais ça n'empêche pas de. Même si c'est verrouillé, bah déjà d'en discuter et après, tout va se placer. Ok. Allez. La personne de votre cœur, ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Et vous? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi. À tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Allez. Précieux conseils, messages, encouragements aujourd'hui. Ouh. Il y en a beaucoup trop. Je prends ces deux-là. Ces deux-là, non. Il y en a beaucoup trop. Alors, on découvre. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oh, regardez. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, il y a un nouveau départ amoureux. C'est beau. Allez. On continue. Alors, je partage. Mon écrit du jour. Alors, aujourd'hui, je peux avoir, pour moi, une fin de pression. Vous pouvez avoir... Je vois un écartement de la pression, une fin de pression sur la situation, un écartement de la pression. Pour que vous puissiez vivre librement tous vos rêves. Je peux avoir une justice divine et un appui des cieux sur votre situation et qui va se renforcer pleine lune jusqu'à la fin de la semaine. Pour que vous puissiez vivre librement tous vos rêves. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'est un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des petits commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc. À bientôt !